m'appelle Pascal Lagrèze, je suis artisan conserveur à Vézac, petite localité située à 7 km de Sarlat, sur la route de Bergerac. Et nous fabriquons donc toute la gamme de produits régionaux à base de canards, de cochons et d'oies, bien sûr, un peu de gibier et des plats cuisinés. Donc le foie gras, nous travaillons bien sûr le foie gras IGP Périgord. Donc nous n'élevons pas de canards. On se sert dans les différents abattoirs de la Dordogne. Le porc vient du Bugue. Voilà, donc c'est assez local, c'est circuit court. Alors déjà, le métier d'artisan conserveur, pour être artisan, il faut avoir moins de 10 salariés. Donc déjà, nous répondons à ce critère, nous sommes pile 10. Par contre, on a des méthodes de fabrication qui sont plutôt anciennes. Alors par exemple, bon, mais le foie, bon, nous, notre méthode est très simple, c'est sel, poivre, on fait notre évenage, sel, poivre, et on le travaille directement sans trop d'alcool, parce que c'était pas comme ça que ça se faisait autrefois, au moins dans ma famille. Nous avons eu 17 médailles en 16 ans au concours général agricole de Paris. Je pense que le consommateur s'y retrouve. Merci mamie. La recette était bonne. Par exemple, pour les pâtés, moi je préfère travailler avec ce qu'on appelle un broyeur à plaque, c'est-à-dire qu'on fait comme autrefois. Ce qu'on voit chez le boucher quand on fait de la viande hachée, c'est le tortillon qui sort. Il y a des méthodes industrielles pour faire les pâtés, mais je trouve qu'on ne retrouve pas la texture du produit à l'ancienne. Mais moi je préfère faire ça, c'est beaucoup plus long. Mais on a un rendu qui plaît à nos clients, il y en a une signature sur les pâtés. Et puis donc la méthode à l'ancienne, c'est aussi travailler, évidemment, sans conserveur ni colorant. On ne travaille qu'avec des produits, sel, poivre, quelques épices, aromates, mais tout cela est naturel. Je ne veux pas qu'on puisse dire que j'ai rajouté quoi que ce soit dedans. Donc bien évidemment, je vous invite à venir nous retrouver dans nos différentes boutiques, donc la boutique de Vézac, où nous nous trouvons, sur le site de production, et notre boutique à Sarlat, qui est au pied de la maison de la Boétie, face à la cathédrale, donc qui est très facile à trouver. Il y a aussi le site Terre de Saveur, et pour terminer, bien sûr, le site foiegraslagrèze.com, où toute notre production est présentée, détaillée, renouvelée et accessible à tous.